Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Aujourd'hui, c'est moi le prof, pour parler du psychisme selon Freud. On laisse Amy vous en dire plus. Avant tout, qui est Freud ? Freud est un médecin neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse. Il est né en 1856 et mort en 1939. Il étudie le conscient, le subconscient et l'inconscient. En 1930, il reçoit le prix Goethe, qui gratifie toutes ses recherches sur le psychisme et notamment sur l'inconscient. Mais pour parler de l'inconscient, faut-il déjà savoir ce qu'est la conscience chez le sujet ? Un sujet a conscience de plusieurs choses. Il a conscience de sa propre conscience et qu'il existe. Il a aussi conscience de son inconscient et qu'il n'a pas accès à une partie de lui-même. Et pour finir, un sujet a conscience des actions plus ou moins bonnes qu'il effectue et de son degré de responsabilité. Mais ce n'est pas tout. La conscience et le sujet va plus loin. La conscience et le sujet évoluent constamment de par les connaissances qu'il a acquises. Donc, chez chaque sujet, la conscience évolue. Pour schématiser ce que Freud appelle le psychisme, il définit trois instances. Le ça, elle contient nos pulsions inconscientes, désir, passion, colère. Ces pulsions se manifestent sous différentes formes, par le biais du lapsus, du rêve ou de la névrose. Si je ne peux pas toujours les contrôler, je ne peux en revanche nier leur existence. C'est ici qu'intervient le surmoi. Il est chargé de canaliser ces pulsions et de les soumettre aux règles morales extérieures. Si je suis en classe, par exemple, et qu'une envie soudaine me vient de me battre, mon surmoi va intervenir pour me rappeler que je suis en classe. C'est finalement sur le moi que repose tout cet équilibre. Le moi est le centre d'adaptation du sujet entre les règles morales extérieures et les pulsions inconscientes. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous servira pour vos révisions futures. À bientôt pour un nouvel épisode de Aujourd'hui, c'est moi le prof. Salut. Salut.